profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Cette lettre a été retrouvée épinglée sur le corps de mon frère. J'ai retrouvé une lettre épinglée sur le corps de mon frère. La lettre a été retrouvée épinglée sur le corps de mon défunt frère après qu'il ait été découvert chez lui après s'être suicidé. Sa petite amie Justine a dit qu'il avait eu quelques jours difficiles et qu'elle avait mis cela sur le compte de l'inquiétude suscitée par le nouveau bébé qu'ils attendaient et qu'elle avait essayé de lui donner de l'espace. Elle a ajouté qu'il n'avait jamais montré de signes de dépression ou que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre épinglée sur sa poitrine, qu'il lui avait cachée, mais qui était datée de 2 jours avant sa mort. Voici ce que dit la lettre. « Corentin, je pense que tu dois avoir environ 25 ans maintenant, si mes calculs sont corrects. C'est un bel âge. Tu es heureux, tu t'épanouis. Tu as une belle carrière, une belle fille et un bébé en route. » Pour l'instant, toi et Justine, vous pensez aller avoir une fille. Mais ce n'est pas le cas. Et Justine et toi allez vous disputer pendant des semaines à propos de son nom. Si tout s'est bien passé, vous devriez recevoir ce message à temps. Je parie que vous vous grattez un peu la tête en ce moment. Vous vous demandez comment je connais toutes ces informations sur votre petite vie privée. J'ai besoin que tu continues à lire, Corentin. Ne jette pas cette lettre. Je sais que tu ne le feras pas parce que je ne le ferai pas, et je ne le ferai pas parce que j'ai déjà été toi, mais pas au sens figuré. Ce n'est pas une métaphore, c'est un vrai retour vers le futur. Je suis toi. Peu importe le temps qui s'est écoulé ou comment j'ai réussi à te faire parvenir cette lettre, ce n'est pas ce qui est important ici. J'ai juste besoin que tu continues à lire, et au cas où tu craindrais que je sois un imposteur, continue de lire, tu comprendras. Tu te souviens de la fois où tu es allé en colonie de vacances, où tu es allé pisser dans la brousse et tu as aperçu Cindy Lamotte en train de se changer. Tu te souviens que tu as pris des photos et que tu les as regardées tous les soirs pendant 1 an. Je sais que c'est le cas. Je sais que tu y repenses maintenant et que tu frissonnes de voir à quel point c'était effrayant. Et tu sais que tu ne l'as jamais dit à personne. Et tu serais maudit si quelqu'un voyait ces photos. Tu as toujours peur que je sois un imposteur? Je connais tous tes secrets, nos secrets. Et la fois où tu as mis ta main sur la plaque de cuisson pendant qu'elle était allumée, juste pour voir à quel point ça faisait mal, et pour que maman t'emmène à l'hôpital et cesse de s'occuper de ton petit frère Olivier. Tout le monde a pensé que c'était un accident. Et c'est toujours le cas, même à mon âge. Quoi qu'il en soit, moins on en dit sur cet incident particulier, mieux c'est. Je dirais bien que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est tellement à côté de la plaque que je ne peux m'empêcher de rire en l'écrivant. J'aimerais que Cindy Lamotte soit la pire des choses que j'ai fait, que tu as fait. Mais ce n'est pas le cas. Je veux arranger les choses, si désespérément que je suis prêt à arrêter de respirer pour le faire. J'écris pour t'empêcher de faire la plus grande erreur de ta vie. Pour espérer changer ta trajectoire si complètement que moi, tel que je suis en ce moment, je cesse d'exister complètement. Tu as un ami, et c'est avec lui que tout commence. Je pense que tu sais qui je vais mentionner, parce que tu as toujours eu des doutes sur lui. Il s'appelle Loïc, et tu l'as rencontré il y a 3 mois. Il te fournit du shit et vient se détendre avec toi et les garçons tous les vendredis. Tu l'aimes bien. Mais tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Dans les semaines qui viennent, tu es censé accompagner Loïc, Paul et Kieran à un concert en ville. Tu as déjà probablement les billets sur ton réfrigérateur. Tu te dis que c'est la dernière fois que tu t'éclateras avant l'arrivée de l'enfant, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je sais comment tu es à cet âge et je parie que tu paniques en ce moment même. En fait, je parie que tu as flippé dès que j'ai parlé de Cindy Lamotte. Mais si tu écoutes bien, tout ira bien. Dans le cadre de notre chronologie foireuse actuelle, j'y suis allé. Nous nous sommes entassés tous les quatre dans un wagon de train
et avons avalé quelques pilules pour passer le temps et nous donner un coup de fouet pour la nuit. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais je m'en fichais. J'étais égoïste. Et je n'avais pas réfléchi à l'impact que ça aurait sur Justine et le bébé. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un message de sensibilisation à la drogue. Vous êtes à environ 1 heure de la ville. Tous les quatre, vous avez pris le train en retard, sachant que le groupe que vous alliez voir ne passait pas avant 23 heures, et que vous vouliez d'abord prendre un verre dans un local près de la gare. À l'approche de la ville, le wagon s'est vidé. Il restait simplement une jeune fille qui se trouvait quelques rangées plus loin. Elle était trop jeune pour sortir seule à cette heure-là. Même dans mon état drogué, je l'ai remarqué à chaque fois que je l'ai aperçue du coin de l'œil. Mais j'ai continué à rire avec les copains, et je ne lui ai pas prêté beaucoup d'attention, jusqu'à ce qu'elle ait des convulsions. Nous nous sommes tous précipités vers elle. Il était clair qu'il y avait une sorte d'urgence médicale, et même dans notre état, j'aimerais croire que nous n'étions pas de mauvais garçons. Nous avons déclenché l'alarme du train, mais rien ne s'est passé. C'était un vieux machin branlant, probablement relié à rien. Aucun d'entre nous ne savait quoi faire. Paul a essayé de la mettre à l'aise, Kieran a paniqué et Loïc est resté debout à la regarder. Il n'a pas dit un mot. Il a juste regardé. Un regard froid et mort, comme s'il avait vu quelque chose de vraiment horrible. Je sais que certaines personnes ne sont pas à l'aise dans les situations d'urgence, mais il y avait quelque chose d'anormal avec lui, comme ce sentiment que l'on a quand on est avec lui. Crois-moi. Au bout de 6 minutes, elle s'est arrêtée. J'ai chronométré. Je me suis souvenu de Arthur, le gamin épileptique de l'école, et de la façon dont les ambulanciers ou sa mère lui demandaient toujours depuis combien de temps il était à terre. J'ai pensé que c'était important. Ce n'était pas le cas. Elle est restée inconsciente pendant un moment, et nous avons désespérément essayé d'appeler à l'aide. En vain. Le signal dans les trains était désastreux. Au prochain arrêt, nous sommes descendus en emportant la jeune fille. Dès que nous avons décidé de la déplacer, Loïc a soudain voulu nous aider. Il se portait volontaire pour la porter et s'y prenait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Quelque chose dans la façon dont il regardait la cuisse entre sa jupe et ses bottes me rendait malade. Elle n'était que trop jeune. Tellement jeune et trop mal en point, quel que soit son âge, pour être regardée de la sorte. Elle avait besoin d'aide. Nous avons commencé à marcher avec elle, avec l'intention de la faire monter dans un taxi jusqu'à un hôpital, où avec un peu de chance, quelqu'un pourrait trouver ses parents. La gare était vide. Il n'y avait qu'un hall à traverser pour déboucher sur une rue vide. Nous avons cherché sur Google le bureau de taxi le plus proche et nous sommes partis dans cette direction. C'est à ce moment-là que Loïc a dépassé les bornes, car j'ai remarqué que sa main commençait à se balader. Dans ma confusion confiante et droguée, environ 5 minutes plus loin dans un parking abandonné, je l'ai frappé. Très fort. Paul et Kieran ont dû agir rapidement pour s'assurer que la fille était soutenue. Elle était à moitié réveillée mais délirante à ce stade, et j'ai frappé Loïc si fort qu'il s'est retrouvé par terre. Tu penses peut-être que je raconte des conneries, mais ce n'est pas le cas. Tu vas vraiment le frapper, assez fort pour l'assommer, et ce sera ta plus grande fierté. Tu te sentiras justifié dans tous les sentiments négatifs que tu as eus à son égard, et pendant un bref instant, tu auras l'impression d'être un héros. Tu te sentiras même absous de tes péchés contre Cindy Lamotte. Ne va pas jusque-là. La vie ne fait que se dégrader à partir de là. Au moment où il a touché le sol, j'ai entendu un bruit de la part de la fille. Ses yeux se sont concentrés, et elle a posé ses pieds plus fermement sur le sol qu'elle ne l'avait fait depuis que nous l'avons trouvé. Paul et Kieran l'ont lâché, et ont reculé d'un pas alors qu'elle émettait un faible grognement au fond de sa gorge. Je suis resté à côté de Loïc, figé sur place. Son visage commença à se contorsionner, ses yeux s'inclinant vers le haut dans les coins extérieurs, comme si elle était dans une soufflerie, s'étirant si loin vers l'arrière que le bord de sa paupière se déchira, continuant vers son front, tandis que ses lèvres se retroussaient dans la même direction vers le haut. Elle s'avança lentement vers nous, passant d'une jeune fille douce et menue à une version grande et imposante d'elle-même, semblable à une créature, avec des yeux méchants et ensanglantés, et des jambes étendues qui nous dominaient tous les deux.
Elle tendit la main vers le bas et passa doucement ses doigts le long de la joue de Loïc. Ses ongles ont laissé de profondes marques de rasoir sur la peau, comme si elle s'était battue avec acharnement. Je suis resté figé. Elle m'a regardé dans les yeux, mais ne s'est jamais approchée de moi. En fait, elle a hoché la tête et s'est éloignée, statufiée et d'un autre monde. S'il n'y avait pas eu la marque sur le visage de Loïc, je pense que nous aurions tous mis la rencontre sur le compte de la drogue. Mais il était impossible de nier la réalité de ce qui s'était passé. Nous avions tous vu la même chose. Inutile de dire que nous ne sommes pas allés au concert. Nous avons laissé Loïc, ensanglanté et inconscient, sur le sol, et nous sommes rentrés chez nous. Je n'ai pas revu Loïc pendant longtemps. Je savais qu'il allait bien parce qu'il vendait encore de l'herbe à des gens que je connaissais localement au bout d'une semaine. Il était prudent avec moi, ne signalait jamais mon coup de poing et ne prenait pas la peine de me contacter. J'ai considéré que c'était une bonne chose. Je ne voulais rien avoir à faire avec un sale type comme lui. Puis, les années ont passé. Justine a accouché. Comme je t'ai dit, c'est un garçon, surprise. Je ne dévoilerai pas le nom. Je sais que j'ai dit que tu te disputais à ce sujet, mais c'est bien. Pendant un certain temps, les choses sont paisibles. Il s'écoule environ 2 ans avant qu'il ne la trouve. La fille. Le corps de la fille. Déchiqueté. Et les paupières arrachées, dans un fossé non loin du parc à chats où tu l'as vue pour la dernière fois. Inexplicablement conservée, fraîche comme si elle était morte la veille sans avoir vieilli d'un jour. La photo d'elle vivante aux informations, à côté de ses parents en pleurs, a été la première chose que j'ai vue. Elle correspondait parfaitement à la jeune fille docile dont je me souvenais dans le train. À l'époque, il n'y avait aucun suspect. Puis ils sont remontés jusqu'au jour de sa disparition et ont trouvé la vidéo de son départ de la gare portée par un groupe d'hommes. Puis ils ont trouvé la vidéo du train où l'on soupçonnait qu'elle avait eu une crise d'épilepsie. Soudain, notre visage était partout. Ton visage. J'ai l'air très différent maintenant, le temps n'a pas été tendre. La police n'aurait jamais cru à notre histoire. La propre mère de Loïc a témoigné qu'il avait des marques de griffures sur le visage. Loïc lui-même a décidé que s'il tombait, nous devions l'accompagner. Il a prétendu que nous étions tous impliqués. Il a prétendu que nous avions fait des choses terribles et innommables à cette fille. Peut-être qu'il a fait ces choses. Peut-être qu'il l'a trouvée plus tard et l'a tuée. C'est ce que j'ai toujours pensé. Peut-être que tout ce que j'avais vu était de la drogue. Et que comme elle n'était pas là pour attester que nous ne lui avions jamais fait de mal, tout le monde se contenterait de croire l'histoire de Loïc. J'ai eu beaucoup de temps pour y penser en prison. Nos empreintes digitales étaient partout sur ses vêtements. Ils avaient la vidéo. Nous n'avions pas de quoi nous défendre. Justine avait le cœur brisé. Elle t'empêche de voir ton enfant. Pourrais-tu vraiment la blâmer ? Kieran s'est suicidé après 6 ans de détention. Paul est mort dans une bagarre en prison. Loïc est toujours en prison, avec des années ajoutées à sa peine pour son comportement inadmissible. Moi, ou plutôt toi, eh bien nous venons de sortir de prison. Je vis dans une maison de transition maintenant. C'est étrangement calme à l'extérieur et le monde a beaucoup changé. Je ne vais pas t'ennuyer avec ça parce que c'est assez long et j'ai passé 15 ans à préparer cette lettre. Je ne vais pas la gâcher en parlant d'actualité. J'espère que tu en feras l'expérience par toi-même. Mais je t'en supplie, ne va pas au concert. Évite le train. Fais tout ce que tu peux pour ne pas croiser cette fille maudite. Quelque chose n'allait pas chez elle. Ce qui était en elle n'était pas humain. La façon dont ses paupières se sont écartées, la marque sur Loïc, quelque chose de sombre était en elle. Il peut revendiquer sa gloire de malade autant qu'il veut, mais je ne pense pas qu'il ait fait les choses qu'il a dites. Plus maintenant, pas depuis que j'ai quitté la prison. Pas depuis qu'elle a commencé à s'asseoir dans le coin de ma chambre tous les soirs, me fixant de ses yeux ensanglantés. Je suis abstinent depuis des années. Et j'avais complètement oublié certains détails chez elle. Ce n'était pas la drogue. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il suffit d'éviter le concert. Elle est là tout le temps maintenant. Et je doute
de pouvoir tenir encore longtemps. Je la soupçonne d'avoir joué un rôle dans la mort des deux autres. Il n'y a plus d'espoir pour moi, mais il y en a peut-être pour toi. Je sais que tu dois essayer. Je sais que je dois essayer. Bonne chance. Toi, Corentin. La police a demandé à ma famille de ne pas divulguer les détails de la lettre, mais après de nombreux mois sans développement sur l'identité de l'expéditeur et un certain nombre de questions posées sans réponse, j'en suis venu à la conclusion que la police ne sait pas quoi faire de cette affaire. Je lance donc un appel à toute personne susceptible d'avoir des informations. J'ai parcouru les profondeurs de l'Internet à la recherche de réponses possibles. Tous les détails de la lettre, jusqu'aux parties qui ne se sont pas encore produites, sont exacts. Elle a été analysée par un expert en écriture qui a déclaré qu'elle correspondait parfaitement à l'écriture de mon frère, à l'écriture de Corentin. Mais c'est fascinant, c'est comme s'il avait développé de l'arthrite. J'ai parcouru des centaines de fils de discussion dans l'espoir de trouver quelqu'un ayant vécu une expérience similaire. Au-dessus de cette lettre se trouvait une note plus petite, également épinglée sur le corps de Corentin. L'écriture était de nouveau la sienne, mais moins tremblante cette fois. C'est cette note qui m'a vraiment terrifié, et qui m'a fait me demander s'il y avait quelque chose à faire pour protéger notre famille. Est-ce que c'est le genre de choses dont les gens héritent ? La note disait simplement « Je la vois, elle arrive ».